L'obstination aveugle est un égoïsme. La fermeté clairvoyante est une vertu, disait Henri-Frédéric Amiel dans son œuvre Journal intime en 1853. Cette citation s'applique parfaitement à l'histoire du jour. Une SCI est propriétaire d'un terrain sur lequel est construite une villa. Il s'aperçoit que les acheteurs du terrain voisin qui ont obtenu un permis de construire sont en train de construire dans le tréfonds de son terrain. Et il constate par ailleurs l'apparition de fissures sur sa villa. Il saisit la justice à un expert et nommé. Néanmoins, les voisins continuent à construire. L'expert mène sa mission et constate qu'effectivement 17 tirants d'ancrage de 7 à 11 mètres de profondeur empiètent sur le tréfonds du terrain de la SCI. La SCI saisit d'alors le juge des référés qui condamne le voisin, tout comme la cour d'appel, à retirer ses 17 tirants d'ancrage. Mécontents, les voisins forment un pourvoi en cassation. Ils reprochent en effet à la cour d'appel de s'être prononcée pour le retrait des tirants d'ancrage, alors que selon eux, il y a une disproportion manifeste entre le coût du retrait, 5,7 millions, et l'avantage que tirerait la SCI à ce retrait. Ils en concluent que la SCI a commis un abus de droit. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel. Le droit de propriété étant absolu et perpétuel, le voisin victime d'un empiètement est parfaitement fondé à solliciter le retrait et obtenir la démolition. Un conseil, ainsi, si un jour, dans le cadre d'une construction, le voisin vient vous voir et indique que la construction empiète sur son terrain, je vous conseille de cesser les travaux et de vous pencher avec attention sur cette question de l'empiètement. À défaut, passez outre pourrait coûter très cher. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique. Tiens.